Salut les amis, c'est Adou. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui fait suite à la première vidéo où je vous montrais nos débuts, mes débuts en surfoil un petit peu laborieux. Et je crois que quand on galère dans un sport quel qu'il soit, faut toujours aller demander conseil aux autres, faut toujours aller observer les autres, et c'est ce qu'on a fait. Je vous emmène aujourd'hui à Pornichet, au port des Chouages, à marée haute, un jour où il faisait super beau, avec Mathieu Hervoche, qui est un gars du coin et qui est fort en tout, qui taquine en windsurf, qui taquine en surfoil, en subfoil, en tout ce que tu veux. Et on a pu l'observer, on a pu tester son matos, c'était super cool, et on s'est rendu compte que bah, peut-être le foil que j'utilisais n'avait pas assez de portance. Premier pas vers une progression certaine, on y croit, c'est parti. Alors pour te débriefer le truc, Mathieu avait un foil de marque Gong avec une aile avant qui faisait 90 cm. Il avait l'aile XL, donc grosse portance, et c'est vrai que finalement on a changé un peu notre avis sur la technique pour lancer la planche, c'est-à-dire qu'il faut plutôt la positionner sur l'eau, donner une petite pichenette et sauter dessus plutôt que vouloir courir. Donc ça c'est la première chose. Et ensuite on a vraiment pris une claque parce qu'on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus facile dès l'instant que tu mettais bien les pieds sur le foil. Quand tu commençais à pomper, si les pieds étaient bien centrés, pied arrière au niveau du mât du foil, tu génères de la vitesse, tu arrives à avancer, tu retombes moins vite. Donc c'est plus facile à partir du moment où tu sais où mettre tes pieds sur le foil. Du coup cette petite session elle m'a fait réfléchir et puis j'ai été chez Gong. Alors Gong, tu sais que c'est le... tout le monde connaît ici, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu le temple de la board. Surf, foil, kite, tout ce que tu veux, sauf windsurf. Et je lui ai pris un foil XXL. Alors là, c'est une aile qui fait 1 mètre de large avec un profil épais. Donc comme vous l'aurez compris, la prochaine étape, c'est d'aller tester ma petite board avec ce nouveau foil. Et ça devrait être mieux, ça devrait aider à la manœuvre. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour une petite session Dogstar. Je vous dis à plus, c'était Adou, bye bye.